le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenu de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Muyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Muyembe Tamfum sur le fonctionnement de ces machines qui supplantent le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas, combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a, outre les domaines de recherche scientifique, abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMD Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le roi Philippe a reçu du docteur Muyembe les symboles et attributs du pouvoir Kuba en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement l'après-Muyembe.